Ah, c'est bien quand même. Ce sont des praticiens aussi un peu. Dans le laboratoire, pas trop. Non, mais t'es à Einstein. À Einstein, il est avec eux. Après, ceux qui sont entrés, ils ont bossé ailleurs avant. Alors, je fais l'intro. Non, ils arrivent petit à petit, mais on va pas trop tarder comme ça. Si ça vous va. Est-ce que on éteint les lumières ou pas, du coup? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? On éteint les lumières ou pas? On va voir, non, sur la qualité. Ok, on va voir. Hello, ça va? Tout le monde? Oui, oui. Non? Hello, ça va, bonjour. Mais oui, ça va, bien sûr, ça va. Bonjour. Hein? Il va faire beau à nouveau, c'est bien. Attends, je vais lancer le Zoom, hein, comme ça, et tout le monde peut se moquer sur Internet, sur moi aussi. Hein, c'est toujours bien. Alors, 3, 2, on est prêt. Hein, vous devez vous montrer, hein, parce que là, ça va être avec vos images aussi. Non, non, c'est pas vrai, c'est que ma tête. All right, un instant, boom, c'est parti. Bonjour, bonjour à tout le monde. Donc, aujourd'hui, un concept un peu spécial et ça s'appelle sérendipité, je pense aussi qu'à une école d'archi, on peut rencontrer des gens dans les années qu'on enseigne et on voit des gens qui reviennent sur des petites études. Et par hasard, il y a 2-3 semaines, je suis, comme on n'a pas beaucoup de salles de cours en ce moment, j'ai dû prendre le passage par la salle E19 ou quelque chose. Quand vous avez fait votre examen de structure, pour moi, il me semble d'ailleurs, et j'ai vu une petite chose étrange, c'était des embranchements de deux arbres qui avaient des nœuds un peu étranges, et je me suis dit, ah, qu'est-ce que c'est beau. Donc je me suis demandé de qui c'était et pourquoi c'était là. Et j'ai trouvé que c'était un étudiant qui avait travaillé là-dessus pour son mémoire. J'ai même retrouvé son nom, et du coup, je l'ai appelé directement. Il est derrière moi, je le connaissais encore en fait, ce qui était aussi étrange parce que je me rappelle très, très difficilement le nom des gens, donc c'était déjà doublement étrange. Mais là, Paul, du coup, qui est derrière moi, avait travaillé pour son mémoire sur des nœuds un peu japonais. Il avait scanné en 3D pour pouvoir travailler dessus, il va l'expliquer. Et du coup, je me suis intéressé parce qu'effectivement, on a un mémoire expérimental en 4e, 5e année. Je me suis dit, ah, c'est quand même parfait pour notre thème de ce workshop. Un, de montrer l'expérimentation et qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce qu'on peut faire avec un mémoire, et qui mieux d'en parler d'un étudiant qui l'a fait, et qui mieux de parler du bois du coup dans notre enseignement et de faire des expérimentations tous ensemble. Donc merci Paul d'accepter. Il a tout de suite dit oui. Il a dit mais je travaille dans un labo, donc je vais amener quelqu'un d'autre, c'est encore mieux. Donc enfin, moi j'ai dit bien sûr, bienvenue à l'école de Versailles. Donc on a aussi Victor Fréchard, je vais lire ce que la feuille me dit. Donc il fait son doctorat actuellement et il enseigne à l'école d'architecture de Nancy. Sa thèse porte sur la stratoconception, une méthode de fabrication additive au service de l'architecture bois. Et je pense que ça va nous mener aussi dans le thème de certains conférenciers. Même le conférencier lundi, je pense, est assez proche en fait dans la recherche. Il est professeur à Darmstadt. Ils sont en train de refaire des bâtiments avec des choses qu'ils ont cassées. Ils les scannent. Ils utilisent la méthode additive pour pouvoir mettre les pièces ensemble. Donc, je pense, c'est assez proche. Donc, Victor Fréchard, notre invité, after graduating in civil engineering and completing a postgraduate program, architecture, wood and construction, Victor Fréchard continued his studies as a PhD student investigating timber and fiber sciences at two research labs, l'ERMAP at INSTIP in Épinal and MAP-CRE at ENSA-Nancy. His research aim is development and implementation of novel methods and tools for parametric design and digital manufacturing of timber architecture. The application of stratoconception, additive manufacturing process frames the research proposal of a method adapted to support the process from design to manufacturing and establishes the basis of his thesis research.
Puis je donne déjà l'intro pour Paul aussi, donc étudiant à l'École nationale d'architecture de Versailles, en deuxième année de master, Paul s'intéresse au bois, de la ressource à la fabrication. Il est passionné par le matériau ligneux et les forêts. Il rend en 2022 un mémoire qui traite la reconsidération de la ressource forestière dans l'architecture. Il assiste actuellement également Victor Fréchard dans sa thèse sur la stratoconception au laboratoire MAPCRE de Nancy. La plateforme est à vous, messieurs. Merci. Sur le Zoom, il voit l'écran ou pas? Ouais, c'est bon. Ok, parfait. Bon, alors bonjour à tous et toutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Paul. Je suis en M2 à Versailles, comme m'a présenté classe. Et je vais vous présenter mon mémoire de fin d'études que j'ai fait dans le groupe matière et expérimentation avec Gilles Ebersolt et Stéphane Berthier et qui va être pris par classe. C'est sûr que mon mémoire porte sur les assemblages bois. C'était toi ? Ok, parfait. Bon, ça va. Mais c'est un peu la face émergée de l'iceberg. Moi, j'ai fait une approche... assez détaillé de la ressource forestière en France et des modes de sylviculture qui sont aussi du coup très liés à comment est-ce qu'on construit en bois aujourd'hui et aussi demain. Donc, ne soyez pas dupes. La France aujourd'hui, c'est la troisième ressource forestière en Europe, la plus grosse. Et il y a un schéma industriel qui domine la construction bois. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on a une particularité qu'il n'y a pas dans les autres pays, c'est que notre composition forestière, elle est faite de 2/3 de feuillus et 1/3 de résineux. Mais quand on regarde les chiffres de la filière bois sur les bois sciés, on se rend compte que 87% du bois scié, c'est des résineux. Donc, soit on exploite toute notre ressource en résineux et on ne fait pas grand-chose des feuillus, ce qui est un peu le cas, mais surtout, et on passe aux lignes du dessous, on importe énormément de bois. Mais il y a aussi autre chose, c'est qu'avec cette arrivée de schéma industriel, il y a des choses qu'on ne sait plus faire en France. Et en fait, on exporte 25% des grumes sans les transformer. On les envoie notamment en Asie pour pouvoir les faire transformer, pour qu'elles reviennent ensuite ici, transformées soit en meubles ou en contreplaqué, par exemple. Et encore une différence entre forêt et plantation. La forêt, c'est comme l'agriculture. Les plantations, c'est pareil pour la sylviculture. Moi, je me suis aussi intéressé à la biodiversité. Et en fonction de la sylviculture, en fonction de la composition de la forêt, une forêt n'entretient pas forcément des liens hyper intéressants avec la biodiversité. Et ça, je vais vous le montrer avec des cartes juste après. Et c'est pour ça que j'ai marqué qu'une plantation saine, par exemple, de pin maritime, ça n'entretient pas une vraie relation avec l'écosystème, parce qu'en fait, ça n'appartient pas à un écosystème. Donc là, vous avez deux vues. À gauche, une plantation de pins maritimes à l'Eige Cap Ferret, donc les Landes. Et à droite, la forêt de haies à Nancy, en Lorraine, où là, on a des hêtres, notamment. Donc le schéma industriel et ses limites, je commence par là, parce que c'est un petit peu la porte d'entrée sur mon mémoire. Donc, pourquoi déjà le schéma industriel ? En fait... En Russie, en Norvège, en Finlande, en Suède et au Canada, on est à des latitudes où les arbres, notamment les conifères, ne poussent pas à plus de 60 cm de diamètre. Et comme c'est des pays qui se sont beaucoup basés sur leurs ressources en bois pour leur économie, ils ont pu standardiser des procédés. Par exemple, il y a le procédé canter, ou qu'on appelle la canterisation, qui permet d'aller extrêmement vite pour transformer le bois. Le problème, c'est que nous, en France, on est dans ce schéma industriel hyper compétitif, mais on n'a pas une ressource comme ces gens-là. Nous, on a des arbres qui peuvent grossir jusqu'à 1 mètre de diamètre et encore largement en forêt. Et ces bois-là, aujourd'hui, on ne sait plus les utiliser dans le schéma industriel. Et moi, c'est cette ressource-là que
j'ai voulu traiter dans mon mémoire, c'est comment est-ce qu'on peut reconsidérer la ressource forestière française dans l'architecture, c'est-à-dire s'intéresser aussi à un autre mode et s'intéresser à une ressource aujourd'hui qu'on n'utilise pas. Et par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des merisiers, des arbres magnifiques qui ne partent pas en bois d'œuvre, mais qui partent en pâte à papier, qui partent pour faire du bois de palette, notamment en montagne, parce qu'en fait, on ne sait pas les débarder ou on ne sait pas les transformer. Bon, le document est un peu pixelisé, mais c'était pour vous montrer. En fait, en jaune, sur le, à gauche, là, sur l'espèce de graphique, c'est la part de feuillus et de conifères de chaque pays. Donc ça, c'est la récolte totale de bois sous écorce en 2019. On voit que la France, bah, c'est un des rares pays en fait, qui a plus de feuillus que de résineux. Et donc, on comprend bien qu'à partir de là, si on n'exploite que du résineux dans la construction, on n'exploite pas le feuillu, alors qu'il pourrait largement trouver sa place dans la construction. Donc, la diversité de la ressource. Vous avez compris, en France, on a une ressource qui est légèrement différente de ce qui est reflété, en tout cas, dans la construction bois aujourd'hui. Et bah, les arbres, ils ne sont pas droits, par exemple. Là où, dans l'industrie, on essaye d'aller à des troncs les plus droits possibles pour pouvoir les faire passer le plus vite possible, et bien là, par exemple, c'est des mélèzes qui sont pliés par la neige à Servières, donc dans les Alpes. Et les anciens, ils savaient très bien utiliser ça, avec un exemple, pour soutenir une gouttière, par exemple. Voilà, donc entre les arbres que je vous ai montrés et le petit hameau de Servières, il y a à peu près 500 mètres, 1 km. Et ça, pour moi, c'était une des références qui m'avait marqué sur l'utilisation du bois dans sa forme d'arbre. Là, pareil, dans les Vosges, des hêtres encore, qui ont été, quand ils étaient jeunes, pliés par la neige. Et là, je vais arriver sur le travail de Thierry Houdard, qui est un charpentier, et qui, lui, s'est intéressé justement aux arbres qu'on n'utilise pas, qu'on ne traite pas parce qu'ils ne sont pas droits, alors qu'ils ont un bois qui permettrait largement de construire. Ça, c'est le chêne pubescent tortueux de Malbouissou. Un chêne tortueux, c'est juste qu'il y a un gène qui fait que les branches se tordent dans tous les sens, ce qui donne des formes assez marrantes. Et Thierry Houdard, c'est un charpentier qui, lui, a écrit des livres consacrés à l'utilisation de ces bois courbes. Donc là, notamment un ouvrage qui s'appelle « Des bois et des charpentes à courbes », où il y a pas mal de travail justement sur comment est-ce qu'on utilise des bois qui ne sont pas droits, est-ce qu'on les laisse ronds, est-ce qu'on les fait carrés, est-ce qu'on en fait des planches, ou justement est-ce qu'on les utilise en bois de brin. Il a écrit un autre livre qui s'appelle « L'art de la fuste ». Si vous ne savez pas, la fuste, c'est les chalets en rondin. Son préambule, c'était d'expliquer que c'est une maison faite d'arbres, pas d'arbres sciés, équarris, rabotés, mais d'arbres encore d'arbres, avec leur forme d'arbre, même si elle est tordue. Et là, on va parler un petit peu assemblage, parce que pour mettre en œuvre en fait, ces bois qui sont complètement tordus, on ne peut pas utiliser des assemblages hyper classiques. Et Thierry Houdard se vante quelque part d'avoir retrouvé un assemblage au Japon qui s'appelle l'Antaiyuchi. Alors pour ceux qui veulent le détail, l'Antaiyuchi, je l'ai marqué derrière, c'est une entaille avec embrèvement à entablure en queue d'aronde. Bon, pour faire simple, en fait, c'est un assemblage qui se met en œuvre assez facilement, mais surtout qui marche en compression et en traction. Et ça, c'est super pratique, parce qu'en fait, quand on conçoit des structures, en plus artisanales, comme ça, bah, en fait, c'est un assemblage qui permet d'aller assez vite dans la mise en œuvre de ces structures. Et c'est pour ça que je dis qu'il se vante un petit peu, parce qu'en fait, quand on remonte l'histoire, en fait, en France, on avait un assemblage qui était à peu près similaire et qui existe toujours en Savoie, qui s'appelle le pied de cheval, et qui est grossièrement en fait, le même assemblage, juste qui a été exporté et qui est un petit peu reparti dans le monde, à savoir que l'Antaiyuchi est aussi énormément utilisé par les Anglais dans leur construction en bois courbe. Ensuite, donc, je vous ai parlé des résineux qu'on utilise toujours dans la construction, donc le pin, le douglas, voilà, qui sont très à la mode. Mais par exemple, dans mon mémoire, je me suis intéressé à trois arbres, trois feuillus, qui donnent des bois pour le chêne et le châtaignier classe 3, et même pour le robinier classe 4. Classe 4, on peut l'employer dehors sans problème, et même immersion dans l'eau. Ces arbres-là, aujourd'hui, ils ont très peu de débouchés. Thierry Houdard, il avance même qu'un arbre sur trois en France est un chêne, parce qu'en fait, c'est spontané. Le chêne, c'est une des essences qui se plaît le plus, voire l'essence qui se plaît la plus sur notre territoire. Et en fait, on l'exploite encore très peu, trop peu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nos systèmes de sillage aujourd'hui sont plus adaptés à pouvoir traiter des grosses grumes. Et on en vient du coup à cette question de la ressource et aux cartes dont je voulais vous parler.
Donc pour connaître la ressource, il y a IGN Géoservices qui ont fait un inventaire forestier qui s'appelle BD Forêt, qui est accessible, où on peut en avoir toutes les données. Ce que vous regardez là, c'est une carte de la composition forestière des Hautes-Alpes. Voilà, alors je sais que comme ça, ça ne parle pas beaucoup. Mais si je vous mets le tableau de classification, on commence à comprendre qu'en fait, on peut à peu près connaître la composition forestière de n'importe quelle forêt en France. Alors je ne vous ai pas mis le détail parce qu'il y a des critères pour établir ces règles-là. Et en fait, ce qui m'a intéressé, c'était de pouvoir comparer aujourd'hui ce qu'on plante, ce qu'on a comme forêt, et essayer de faire un lien avec les problèmes liés à la biodiversité. Donc là, pour ceux qui reconnaissent, c'est la Gironde. En violet, c'est les plantations de pins maritimes. Donc là, on les voit bien. En vert, c'est des mix feuillus. Donc là, on est dans une forêt plutôt typique. Et est-ce que en jaune, quelqu'un a une idée de ce que c'est ? Ok. Bah, je vais juste revenir en arrière. Vous allez voir en haut. Forêt fermée, FF0, sans couvert arboré, coupe rase ou incident. Et aujourd'hui, si vous regardez la place que ça occupe, ça c'est un vrai problème pour les sols, pour la forêt, parce qu'en fait on exploite tellement une ressource qu'on en vient à, en fait, au lieu d'adapter nos machines à la ressource qu'on a aujourd'hui, on adapte la ressource à nos machines, ce qui est dévastateur. Et ça c'est les cartes que j'ai produites pour essayer de montrer l'impact que ça pouvait avoir sur la biodiversité, ce genre de culture. L'acquisition et les données. Aujourd'hui, un forestier, quand il va en forêt, il récupère plusieurs données, il peut récupérer les essences, mais on parle surtout de cubage. Donc c'est le volume de bois sur pied ou abattu. Et ça ne tient absolument pas en compte de la géométrie des arbres, ce qui est en fait vachement dommage. Et la géométrie des arbres, on va en parler avec les 24 modèles d'architecture de Francis Allais. Francis Allais, c'est un botaniste à Montpellier, qui a travaillé notamment avec Gilles Bursol sur Ardodécime, et qui a avancé avec d'autres botanistes qu'en fait, n'importe quelle plante sur Terre, elle pousse selon 24 modèles d'architecture. Je vais vous montrer des exemples après. Et moi, je travaille sur la différence entre architecture et géométrie. L'architecture, c'est un modèle génétique que la plante va tendre à refaire. La géométrie d'un arbre, c'est le fait que s'il y a de la lumière, il va faire des branches de ce côté-là, mais ça veut pas être, c'est pour ça que les arbres ne se ressemblent pas, même au sein de la même essence, mais pourtant, ils ont le même modèle. Une de mes approches, c'est de comprendre aussi la ressource, dans le sens... Je l'ai mis là et c'est parfait. Ici, vous avez à gauche un chêne, à droite un Douglas. Et je vais vous parler de bourgeons de méristème. À droite, comme vous pouvez le voir, sur le Douglas, il y a un tronc qui fait toute la longueur, qui monte tout droit. Et ça, c'est super pratique pour l'industrie, parce qu'il y a juste à le mettre dans une machine, on arrive à le récupérer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand il pousse, il y a un bourgeon, ce qu'on appelle le bourgeon apical ou terminal, qui va toujours faire une pousse de bois vers le haut. Mais quand on regarde chez d'autres arbres, par exemple le chêne, sur le modèle de Leuenberg, ben en fait, à un moment, ou pas d'ailleurs, ça dépend aussi, il va faire des bourgeons, il va arrêter de faire un bourgeon apical pour en faire sur les côtés, et là, il va y avoir une concurrence dans les branches pour savoir qui va avoir le plus de lumière. Et ça, c'est très compliqué à exploiter parce qu'en fait, ce qu'on appelle le fût, qui est la hauteur entre le sol et les premières branches de l'arbre, c'est généralement ce qu'on utilise. Et le reste, on ne l'utilise pas. Et c'est un petit peu les expérimentations que j'ai fait dans mon mémoire. Donc là, vous avez Gilles et son fils Marceau dans leur forêt, qui récupère sur un chêne tombé un morceau qui a servi à mon expérimentation. Mon expérimentation, c'est d'utiliser et de subtiliser une ressource qu'aujourd'hui on n'utilise pas, et de juste faire une expérimentation pour voir si on pourrait adapter avec les moyens qu'on a cette ressource-là au lieu qu'elle passe en bois de chauffage pour construire avec, parce qu'en fait structurellement, elle est très bonne. La photogrammétrie, pour ceux qui ne savent pas, c'est une méthode un peu cheap, mais en fait super sympa pour récupérer la géométrie des arbres. Ou enfin, des arbres, de plein de choses. On l'utilise beaucoup en archéologie pour reformer un modèle 3D à partir de plein de photos. Donc là, ce que vous avez vu juste avant, avec Antoine, qui est juste derrière, on a fait à peu près 300-500 photos du modèle. On les a mis dans un logiciel. Il nous a sorti en haut à gauche un nuage de points, et ensuite un mesh avec ce qu'il y a de super, la texture. La texture du tronc d'arbre. Ça, c'est génial parce qu'en fait, là, je suis en train de passer d'un volume de bois, une pièce de bois, à une géométrie. Et nous, en tant qu'architectes, on est amenés à dessiner sur des logiciels en 3D, donc à maîtriser des géométries, à les manipuler dans l'espace et comprendre comment on peut les utiliser. Et la photogrammétrie, quand je vous disais que c'était un truc cheap, parce qu'en fait, la photogrammétrie, on pourrait faire avec son portable,
On peut faire aussi avec un scanner 3D, mais ça, c'est hyper onéreux. Et moi, dans ma recherche de mémoire, je veux dire, je suis étudiant, j'ai pas de thunes, et j'essaye de voir comment est-ce que je peux appliquer ça au moins le plus bricole possible. Et en fait, bah là, j'ai réussi à récupérer ma géométrie. Et ensuite, je vous ai parlé de la ressource, et pour moi, la ressource, elle va encore plus loin. C'est qu'est-ce qu'on fait de ces branches cassées, avenue de Sceaux, quand il y a trop de vent? Est-ce que vous avez déjà vu une construction en platane? Bah, moi non plus. J'ai récupéré des branches dans l'avenue de Sceaux, on les a simplement équarries, on les a laissées sécher au 19, on leur a donné des petits noms pour s'en souvenir, et ensuite on a fait à chacune leur modèle en photogrammétrie. Une fois qu'on avait tout ça, bah en fait, on n'avait plus qu'à les manipuler sur Rhino par exemple, moi l'autre autre j'étais sur Rhino, et ce qui m'a manqué c'était qu'à l'époque, j'étais pas très très doué sur Grasshopper, et là, pour moi c'était une ouverture parce qu'en fait, le numérique pouvait rattraper largement quelque chose que je savais pas faire, que je savais pas gérer. Donc ce qu'on a quand même fait, c'était d'assembler sur logiciel, donc de pouvoir les manipuler, de pouvoir les manipuler dans l'espace, pouvoir les placer. Cette structure, elle n'a aucun intérêt, je veux dire, ce n'est pas un poteau, à la limite c'est un porte-manteau, mais c'était juste pour expérimenter des assemblages et voir comment est-ce qu'on pouvait manipuler ces géométries que je venais de récupérer à droite à gauche sur un logiciel. Donc s'en est suivi pas mal d'usinage. Et une des questions qui était en fait la plus difficile, c'était pas tellement l'usinage. L'usinage, ça, on sait le faire. N'importe quel charpentier, n'importe quelle personne en fait, qui touche au bois, sait usiner. En fait, la question principale, c'était le traçage. Comment est-ce qu'on trace pour ces assemblages-là? Et c'est là où moi, je suis convaincu qu'en fait, quand j'aurai les compétences, et je pense que c'est pas très dur, on peut le faire en fait sur ces logiciels de 3D et en ressortir soit des patrons, soit des choses qui vont nous permettre de tracer. Parce que je ne crois pas forcément au fait qu'un robot 6 axes, ce soit l'avenir, parce que c'est super cher, c'est difficile, il faut beaucoup de temps, alors qu'en fait, on pourrait faire la même chose, mais juste avec les bonnes méthodes. Donc là, je vous ai mis quelques photos de la pièce de bois. Donc à gauche, c'est juste après qu'elle était équarrie, donc il y avait des morceaux de tronçonneuse. L'arbre, il avait été attaqué, donc en fait, on voit qu'il y avait plusieurs couches de bois qui ont commencé à repousser, du cambium notamment. À droite, c'est des photos de l'usinage. Une question qui était très présente dans le mémoire, c'était jusqu'où le numérique nous aide? Est-ce que, quelque part, si l'homme sait travailler le bois, pourquoi est-ce que c'est un robot de le faire? Mais est-ce que c'est vraiment utile que ce soit un robot qui le fasse? Un robot, on a la conception que ça va très vite, c'est vrai, mais le temps juste avant, pour tout programmer, il est énorme. Donc voilà, les perspectives, c'est que là où on est sur un travail artisanal en deux dimensions, ce que j'appelle deux dimensions, c'est toujours ramener tout dans un plan, parce qu'en fait c'est ça les méthodes de piquage chez les charpentiers, c'est toujours de faire des choses en 2D, des assemblages en 2D, des vues en 2D, c'est de pouvoir manipuler maintenant des vraies géométries, d'arrêter de faire des planches plates peut-être, c'est pas d'arrêter, mais c'est pouvoir utiliser ça, d'avoir un discours aussi cohérent sur la ressource qu'on subtilise, parce qu'en fait, il y a des agences comme Emmanuel Pézeres qui bossent à Rosny-sous-Bois et qui, eux, subtilisent les élagages et les bois de coupe du bois de Vincennes. Donc ça leur coûte rien, c'est des arbres de parc, et ils arrivent à les mettre en œuvre dans des constructions, ce qui n'est pas facile parce qu'il faut justifier que ce bois-là va se comporter comme un bois produit par l'industrie, mais c'est possible. Et pouvoir manipuler ces géométries grâce au numérique, moi je pense qu'on s'amène dans un vrai travail d'architecte. Je vais finir en vous montrant quelques références. Donc ça, c'est le Woodchip Barn de la AA School, qui est fait donc à côté de Londres. Eux, leur approche, pareil, c'était de récupérer des fourches de bouleaux. Donc en fait, ça s'appelle Hook Park. C'est un grand parc qui est à disposition justement pour les expérimentations dans le milieu de la construction bois. Il y a des vidéos qui sont en ligne, vous pouvez regarder, qui sont assez courtes et qui expliquent vraiment bien du coup le fonctionnement. Donc ce qu'ils ont fait, en fait, ils ont coupé des fourches dans un arbre pour les utiliser et faire une espèce de portique. Eux, ils les ont scannés avec un gros scanner 3D et en fait, ils ont pu récupérer les lignes directrices, donc les centres de chaque branche. Ensuite, et ça, c'est un petit peu le problème, c'est qu'ils ont tout mis dans un algorithme magique qui les arrange et qui les met trop bien. Seulement, moi, j'ai lu à peu près une vingtaine d'articles sur ce truc-là et en fait, on ne sait pas comment leur algorithme fonctionne. En fait, derrière ce truc-là, derrière ce monstre de technologie, parce qu'en fait, toutes les fourches, après, sont usinées par un bras robotisé, mais en fait, on ne sait pas comment ça fonctionne. On ne sait pas l'équipe d'ingénieurs qu'il y a eu derrière. Et ça, c'est vachement dommage. Voilà. Donc ça, c'était pour le numérique.
pour le côté artisanal, ça c'est les rencontres charpentesques. Donc c'est des charpentiers qui se mettent un peu en meute l'été autour de barbecue et qui font, alors là c'était une petite halle hyper expérimentale pour un petit village. Je crois que j'ai même une autre photo où là, encore une fois, ils mettent en œuvre du bois. Bah, on voit bien qu'il y a une forme d'arbre. Il y a Jacques Anglade qui a été reçu l'année dernière, je crois, au workshop, qui parle beaucoup d'animisme. Donc la relation qu'on entretient avec la nature vis-à-vis du bois. Bah, cette table, elle est en bois, mais personnellement, elle ne me rappelle pas la forêt. Alors que ce morceau-là, il nous ramène aussi à quelque chose qu'on comprend et que je trouve de super intéressant. Enfin, je vais vous montrer des photos, je ne peux même pas les sourcer, parce qu'en fait, quand j'étais en Erasmus à Vienne, j'ai rencontré Klaus Werger, qui est un peu une pointure en Asie sur justement l'architecture japonaise, chinoise, qu'encadre des doctorants aussi. Et il m'a prêté des livres à consulter, où en fait, dedans, il y avait des charpentes en bois courbes, mais courbes, quoi, genre tordues. Ça, c'est le meilleur exemple. C'est un chef-d'œuvre d'artisanat. Je ne sais même pas comment c'est monté et honnêtement, quand j'ai demandé à plusieurs charpentiers comment est-ce que ça pouvait être mis en œuvre, ils sont tous venus avec plusieurs théories. C'était quand j'étais chez Gilles cet été. C'est assez compliqué de mettre ce genre de truc en œuvre, mais en fait, maintenant qu'on a des modèles 3D, en fait, ça serait tellement plus simple de subtiliser une ressource comme ça. Et en plus, comme disait Klaas, c'est beau. Mais ça, c'est une vraie question, c'est une vraie ouverture. Qu'est-ce que ça provoque dans l'architecture au moment d'utiliser des matériaux qui nous ramènent à leur domaine, c'est-à-dire qui nous ramènent à la forêt, qui nous ramènent à la courbe? Un arbre, c'est jamais droit. Et qu'est-ce que ça peut provoquer? Ça, c'était une ouverture pour mon mémoire. Voilà, je vous remercie. Et si vous avez des questions, je serai ravi de répondre. De rien. Vous n'avez pas de questions? Ouais, c'est une bonne question. Économiquement, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est quand même pas très rentable. J'ai parlé du cadre Rosny-sous-Bois, là, où en fait, il y a des architectes à la mairie. Quelque chose de très intéressant, j'en ai pas beaucoup parlé, parce que j'en parle plus dans mon mémoire. D'ailleurs, si vous voulez, il est à la bibliothèque, vous pouvez aller le voir. Mais... En fait, il faut pouvoir justifier que ces pièces, elles vont se comporter comme un bois sorti de l'industrie, qui lui est normé. Et par exemple, Emmanuel Pézresse, il a demandé à des ingénieurs de se former pour pouvoir dire si oui ou non, cette pièce-là, on va pouvoir l'employer dans le bâtiment. Donc, un, bah, il faut les compétences. Et deux, bah, si la ressource ne te coûte rien, c'est quand même
c'est quand même, en fait, ça change pas grand-chose parce que le prix dans une construction, en fait, c'est pas tellement la ressource, c'est surtout la main-d'œuvre. Donc, ouais, je pense que c'est encore à des stades expérimentaux, hein. Il n'y a pas eu encore de vrais. Ou alors, justement, les vraies choses, c'est hyper artisanal, comme j'ai montré les rencontres charpentesques. Eux, ils arrivent à finir les trucs. Il n'y a pas d'autres questions? Ah. Vas-y, vas-y. Bah alors oui, complètement. Moi, je revendique pas une nouvelle, prochaine méthode de construction pour les prochains centres commerciaux ou le Paris La Défense, tu vois. Quelque chose d'un peu plus petit déjà. Évidemment, c'est pas efficace, c'est sûr. D'ailleurs, je pense que si, mais ça c'est juste ma croyance, hein, c'est que si on arrive à mettre ça en œuvre, ça va pas changer radicalement la forme des bâtiments. Tu vois, c'est pas parce qu'en fait tu as des poteaux courbes, bah, en fait regarde derrière, tu vois, le mur il est quand même droit finalement. Donc ça ne va pas radicalement changer la façon d'approcher l'architecture. C'est juste de pouvoir subtiliser une ressource en la transformant moins, parce qu'en fait, elle se comporte autant, quitte à être dans le surdimensionnement, parce qu'en fait, c'est ce que les charpentiers font. Quand ils ne savent pas faire, ils font plus gros et ça tient. Et puis en fait, ce n'est pas vraiment un problème de faire plus gros et de ne pas transformer le bois, parce qu'en plus, ils stockent du carbone, donc finalement. Voilà. Bon, bah, s'il y a des timides, vous pouvez m'envoyer un message et je vous répondrai. Bon, et ben maintenant, pour faire la transition, je crois que c'est Victor qui va parler. Dans une offre de stage d'Elisabeth Afonso, il y avait un stage proposé à l'école d'architecture de Nancy, dans le labo de recherche, donc comme le LEAF pour nous. Et Victor, du coup, il fait une thèse sur la stratoconception, et ce qui était attendu, c'était de faire du grasshopper. Et comme je ne savais pas en faire, et ben, je me suis dit, bah, c'est génial, parce que moi, je vais être obligé d'en faire. Du coup, maintenant, bah, voilà.
Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Paul, je travaille à l'école d'architecture de Nancy, donc depuis maintenant 2 ans, un peu plus, où je fais une thèse et j'enseigne un petit peu aussi à côté. Je précise d'entrée, comme l'a dit Klaas en préambule, je suis pas architecte, je suis ingénieur de formation. Et en finissant mes études à l'Instib, mais je reparlerai un petit peu après, l'école du bois d'Épinal. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu, on va changer un peu de paradigme et d'approche par rapport à ce dont a parlé Paul. On va partir plus dans du numérique, de la conception jusqu'à la fabrication, en vous parlant d'un nouveau procédé de fabrication qu'on essaie d'adapter à la niveau de l'architecture. Donc, petite ouverture par rapport à ce genre de choses. Pour recontextualiser, je travaille du coup dans l'un des deux laboratoires d'école d'architecture de Nancy, qui est le CRE, donc qui est le centre de recherche en architecture et ingénierie. On travaille sur pas mal de choses, notamment sur l'intérêt du matériau bois dans ce qu'on appelle le continuum numérique, donc ce dont vous traitez un peu à travers ce workshop. Donc l'idée est d'avoir une conception jusqu'à la fabrication numérique avec un matériau qui s'y adapte bien. Le matériau bois, donc, comme l'a rappelé Paul, c'est un matériau naturel, renouvelable, souvent local, même si on voit qu'avec les importations et exportations, il y a des questions qui peuvent se poser, mais si on le veut, on peut trouver du bois à côté de chez nous. Je pense qu'on ne se souviendra jamais assez, surtout dans les enjeux actuels, climatiques, environnementaux, l'intérêt du matériau bois par rapport à tout ça. C'est un matériau qui est aussi usinable, ce qui nous intéresse particulièrement, ce qui nous permet de faire des architectures assez expressives, des systèmes constructifs assez ingénieux. Je pense que vous aurez l'occasion d'en faire de très beau la semaine prochaine, cette semaine. Et le fait que ce soit un matériau usinable, ça nous permet aujourd'hui de le connecter avec cette idée de continuum, avec des outils numériques et des outils de fabrication qui ont été développés il y a une trentaine d'années maintenant, enfin qui ont été adaptés en tout cas à l'architecture il y a une trentaine d'années maintenant. Des outils numériques de conception, on parle de Rhino Grasshopper par exemple, mais ça peut être d'autres, et de fabrication avec une machine à commande numérique. Et le fait que le numérique puisse connecter une conception, un matériau, une fabrication, ça nous permet d'aller peut-être un peu plus loin dans les approches qu'on a en construction. Ça marche ? Yes, no. Yes. Ce qui nous intéresse particulièrement au laboratoire, c'est avoir une approche pour ce qu'on appelle les structures non standards, donc les architectures qui permettent de matérialiser des formes complexes, notamment, et le fait d'avoir cette approche-là, ça nous incite à avoir une approche pluridisciplinaire, d'intégrer dès la conception les différents acteurs qui tournent autour d'un projet de construction. C'est les architectes, c'est vous. C'est les ingénieurs, c'est moi. Et c'est aussi les constructeurs. Où l'idée, c'est de trouver une réponse optimale à un problème que vous vous posez en intégrant dès la conception les possibilités et les contraintes qu'on a en ingénierie et en construction. C'est-à-dire qu'on peut imaginer plein de choses, mais il faut toujours tenir compte de ce qu'on peut faire avec un matériau, avec un processus de fabrication, avec toutes ces contraintes-là. Un petit clin d'œil à la photo de gauche au défi du bois qui se passe à Épinal chaque année. Je vous l'ai dit, j'ai fini mes études à l'Instib, à ce qu'on appelle le master architecture bois construction, qui est un master que vous pouvez faire après avoir votre diplôme d'architecte en master 2, qui regroupe architecte et ingénieur pendant une année, où l'objectif c'est justement de travailler sur cet aspect collaboratif en travaillant ensemble dès la conception sur des projets. Donc on a un premier projet en premier semestre et un deuxième projet. On intègre également des compagnons de devoir dès le début de la conception pour arriver jusqu'à une fabrication début mai d'architecture, des micro-architectures, comme on peut le voir sur la photo ici. Donc Paul a eu l'occasion d'expérimenter aussi tout ça cette année. Et si vous aimez ce workshop, je pense que vous pourrez vous faire plaisir après vos études là-bas, si jamais le cœur vous en dit. Et donc toutes ces notions-là de numérique amènent la question de... quelles méthodes on peut mettre en place, quels outils on peut mettre en place pour aider l'architecte dans ses choix, dans l'approche qu'il peut avoir pour faire des architectures complexes, non standards. Là, j'ai mis l'exemple d'une thèse qui a été faite il y a quelques années maintenant par Julien Meyer, qui dirige maintenant notre laboratoire, qui travaille sur comment faire des structures plissées en architecture bois, où il y avait cette idée d'avoir une chaîne de conception jusqu'à la fabrication avec une étape de modelage, shaping, une étape où on devait matérialiser cette forme que vous avez dessinée, qui est complexe, en faisant du pli, après avoir un calcul de structure, puis passer à du prototypage, de la fabrication, puis de l'assemblage.
Et au sein de toutes ces étapes-là, il y avait cette notion d'évaluation des méthodes, enfin des choix qu'on avait en conception. Par exemple, sur le pli, il y avait tout au long du processus une évaluation sur la thermique, sur la structure, sur comment est-ce qu'on assemble, est-ce que les contraintes sont respectées ou non. Ce qui permettait à chaque étape du processus de vous rendre compte si votre projet était intéressant par rapport à vos attentes et surtout s'il était faisable ou non. Donc au sein du laboratoire, l'un de nos objectifs, c'est de mettre en place ce genre de méthodes et d'outils pour vous aider, nous aider aussi, nous, en tant qu'ingénieurs, à aborder ce genre de problématiques. Je parle également d'une chaire partenariale qu'on a au sein de l'école qui nous permet de créer une certaine signe. Donc c'est la chaire qui s'appelle Architecture et construction en bois du patrimoine numérique, donc qui relie les notions qu'on a aussi du laboratoire, où l'idée, c'est de regrouper et de valoriser valoriser le matériau bois en regroupant des acteurs locaux niveau de la région Grand Est, que ce soit des partenaires industriels, de l'enseignement, du milieu de la recherche, et regrouper toutes ces personnes-là autour de projets pour créer une certaine synergie et nous permettre d'expérimenter, d'avoir déjà des projets à mettre en corrélation entre l'enseignement et le milieu de l'industrie, ce qui est toujours intéressant pour vous et comme pour nous, et de mettre en place des travaux plus importants, comme mes travaux de recherche, où là je vous ai mis tous les partenaires de ma thèse. Donc il y a l'école d'architecture de Nancy avec notre laboratoire associé du CRE, il y a l'école d'ingénierie du bois de d'Épinal qui est l'ENSTIB, avec son laboratoire associé qui est l'ERMAB, et il y a quatre partenaires industriels, donc il y a Sirtes, je vous parlerai plus tard, et il y a des industriels de la construction bois, Charpentouau, Maître Cube, dont je crois que l'une des personnes faisant partie de cette entreprise par cet après-midi, je crois que Julien Meillard fait partie de Maître Cube, et groupe Weissrock, donc ils sont des industriels de la construction. Ça, c'est un peu pour le contexte. Et maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est en construction bois, on travaille le matériau soit en l'usinant, soit en le déformant, donc par des méthodes de fabrication qui sont soustractives ou formatives, donc que vous connaissez sûrement. Donc soit on enlève de la matière au matériau à partir d'un brut pour obtenir une forme, soit on va venir déformer le matériau en le cintrant, par exemple. Ces procédés-là, on les connaît bien, on sait les contraintes qu'ils ont, ça peut être des limites, la fabrication soustractive liée au mouvement qu'on peut avoir pour accéder à certaines parties de la pièce pour pouvoir la travailler, ou à des outils qu'on utilise. Pour le cintrage du bois, c'est lié directement aux propriétés du matériau. Vous voyez bien qu'il y a quand même des limites dans ce qu'on peut faire avec tout ça, notamment pour faire du double courbure. Et même si on peut toujours imaginer des systèmes constructifs innovants, je pense que vous aurez l'occasion d'y réfléchir. Il y a beaucoup d'exemples qui montrent qu'on a su valoriser le matériau bois au sein de ces deux méthodes de fabrication-là. On a essayé de se poser la question, est-ce qu'on ne peut pas s'abstreindre de ces limites-là qui sont inhérentes à ces méthodes de fabrication et trouver une autre méthode, appliquer une autre méthode qui permettrait d'aller plus loin et de réaliser finalement n'importe quelle forme. Et donc on s'est intéressé à la fabrication additive. La fabrication additive, c'est ce que vous connaissez tous comme l'impression 3D, traditionnellement. Vous avez tous peut-être expérimenté déjà un petit peu chez vous ou ici, je ne sais pas. Où l'idée, c'est d'avoir des couches qui viennent se superposer les unes au-dessus des autres, petit à petit, pour recréer une forme qu'on aura créée numériquement. Ce qui est important à savoir, c'est que l'idée d'empiler des couches, c'est une notion qui est hyper basique dans la construction qu'on a eu depuis toujours. Empiler des pierres, etc., faire un mur en brique, on empile des couches. Mais ce n'est pas de la fabrication additive, puisque la fabrication additive, elle n'existe que parce que le numérique existe. C'est-à-dire que l'idée, c'était de prendre un modèle CAO de forme complexe, c'est là que l'intérêt de la fabrication additive, le trancher numériquement et le fabriquer après par une méthode ou un procédé. C'est ce qui marche avec le procédé de dépôt de fil que vous connaissez, mais c'est pas que ça. La fabrication additive, au début, ça a été donc créé dans les années 90, où l'idée c'était de répondre à des contraintes industrielles de prototypage, où les pièces devenaient un peu de plus en plus complexes à réaliser, et il y avait une notion de faire des prototypes fonctionnels, des prototypes esthétiques, etc., de forme, pour aller plus vite en conception et du coup avoir une vraie idée de la pièce finale. Et les méthodes de fabrication donc soustractives, formatives, prenaient peut-être un peu plus de temps, étaient onéreuses, et du coup il y avait cette idée de trouver une méthode qui permettait de réaliser ces prototypes rapidement. La fabrication additive a été imaginée dans ce point de vue-là, en tirant parti du développement d'outils numériques, donc de modélisation, et des premiers algorithmes de tranchage qui ont été créés. Donc c'était le début du prototypage rapide.
Ensuite, il y a eu l'idée de faire des outillages pour finalement avoir des pièces avec le vrai matériau, avec la vraie tenue structurelle qu'on voulait, puisque les prototypes, ça reste des prototypes avec des matériaux qui n'avaient pas les mêmes propriétés que ce qu'on pouvait avoir par la suite, qu'on voulait en fabrication. Donc l'idée de faire des moules qui étaient des formes complexes, mais qui permettaient de réaliser les pièces qu'on voulait à l'intérieur, et maintenant passer à une étape plutôt de fabrication. Donc là j'ai mis des exemples au niveau de la construction, mais je reviendrai après. Vous voyez, c'est d'avoir des procédés qui permettent de faire directement des formes très complexes, sans passer par un outillage, sans passer par d'autres choses. Et là où je pense que je vais vous apprendre quelque chose, c'est que la fabrication additive, ce n'est pas que le dépôt de fil. C'est en fait cette famille de procédés qui existent et qui sont répartis, qui sont normalisés par la norme ISO 17.80 et TPPET, et qui peuvent se classifier selon trois catégories qui sont liées à l'état initial du matériau que vous utilisez. Ces sept familles-là, elles sont issues de sept brevets qui ont été imaginés au début des années 90, où sept groupes de pensée, on va dire, ont imaginé des procédés qui permettaient de matérialiser des pièces par fabrication additive. On a une approche avec des matériaux plutôt liquides, de la projection de gouttes de matière, petit à petit, couche après couche, la polymérisation de résine sous l'action d'un laser. Donc ça, c'était l'un des premiers procédés qui a été imaginé, qui a été fait d'ailleurs, qui a été imaginé et breveté en France, notamment en 1984. Il y a des procédés plutôt basés sur des matériaux en poudre, où l'idée, c'est d'avoir des couches de poudre, par exemple de sable, qu'on va voir par la suite. On va venir déposer des liants pour structurer la matière couche après couche. Donc, il y a plusieurs procédés de ce point de vue-là. Et partir de matériaux solides, donc il y a dépôt de fil, la fusion de fil par une bûche chauffante, donc vous connaissez tous. Et il y a d'autres procédés qui sont peut-être intuitivement pour vous, pas forcément la fabrication additive, qui apparaissent pas tout de suite comme ça, mais c'est l'assemblage de couches à partir de matériaux en plaque ou en feuille. Mais ça, j'en reviendrai après, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. La fabrication additive, ça a donc été créé, imaginé dans les années 90, et presque étonnamment, j'ai envie de dire, puisque en général, le milieu de la construction de l'architecture est un peu lent pour prendre les innovations qu'on peut avoir dans l'industrie. On s'est rapidement intéressé à ces méthodes-là de fabrication, et aujourd'hui, on a plusieurs procédés qui ont été mis à l'échelle de l'architecture et de la construction, puisque c'est ça le réel enjeu aujourd'hui, d'adapter des procédés qui sont plutôt faits pour des pièces de l'ordre du mètre, avec des matériaux qui sont plutôt adaptés à l'industrie, les adapter d'une part aux matériaux qu'on utilise en construction, et à l'échelle et aux contraintes qu'on peut avoir. Alors aujourd'hui, je pense que vous avez tous déjà vu les maisons imprimées en 3D qu'on avait vues en Chine au début des années 2010, qui se développent de plus en plus. C'est l'approche qui est vraiment privilégiée, en tout cas aujourd'hui, que ce soit dans la recherche ou dans les créations d'entreprises, on voit qu'il y a un certain élan de ce point de vue-là. Donc l'extrusion de mortier. Il y a aussi des approches où au lieu d'extruder du béton, on va extruser de la terre ou des polymères. Et il y a d'autres procédés qui sont également mis à l'échelle, comme le dépôt de liant donc sur des couches de sable qui permettent de faire des moules. Donc là, on a un exemple assez intéressant qui a été fait pour une dalle au Defab House, qui a été fait par le TH de Zurich, où l'idée, c'était de créer des dalles optimisées géométriquement en créant des nervures qui permettaient d'avoir une dalle très très fine, mais de trouver une rigidité par ces nervures créées. Donc créer une forme finalement assez complexe, et qui a pu être réalisé justement par ces profils de fabrication additive, en créer des moules très complexes avec des moyens relativement simples, entre guillemets, et pouvoir couler le béton dedans. Puis il y a d'autres procédés comme la fusion de poudre par arc électrique, donc c'est du soudage de gouttes de poudre métallique, entre guillemets, pour venir constituer petit à petit le pont qui a été fait ici, c'était Amsterdam, qui a été fini il n'y a pas très longtemps. Et là, on peut voir que on ne parle pas du tout de matériaux bois, déjà, et qu'on peut toujours se questionner sur l'utilisation de ce genre de matériaux aujourd'hui en construction. Certes, il y a un vrai intérêt de la fabrication additive pour faire des géométries complexes. C'est le principal intérêt de la fabrication additive. On peut faire des pièces complexes dans les parois extérieures, comme intérieures, puisque vu qu'on va travailler couche par couche, on peut traiter l'intérieur des pièces. Mais j'en parlerai après. Mais il y a aussi un grand intérêt pour la construction en béton, enfin, la filière béton, j'ai envie de dire, c'est l'intégration de la robotique en construction, de leur point de vue à eux, qui permet d'intégrer justement des robots in situ ou en atelier et de préfabriquer plus d'éléments en construction. Ce
qui ramène un peu les notions qu'on a vues en construction bois il y a quelques années auparavant avec l'intégration de machines à commande numérique, mais qui les déploie aujourd'hui à filière béton, avec pas mal de questions qui peuvent se poser par rapport à tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le matériau bois, particulièrement. Et aujourd'hui, la question, c'est est-ce qu'il existe des procédés qui permettent de faire des architectures en bois, échelle 1, par fabrication additive? La réponse n'était pas vraiment oui. Et même plutôt non, avec des procédés, donc des pots de fil. On peut avoir des fils composés à la fois de thermoplastique et de matériaux bois, mais dans des proportions qui laissent à penser qu'il y a plus de plastique que de bois dans le fil. Je pense qu'au maximum, on atteint 40% de bois dans le fil, donc c'est pas, je ne sais pas si on peut parler de matériaux bois complètement. Ou des pots de liant sur des couches de cire du bois, où par la même analogie, on retrouve presque plus de liant que de cire. Et par contre, il y a un troisième procédé qui nous intéressait, c'est l'assemblage de couches à partir de plaques découpées. C'est dont je vais parler aujourd'hui, qui est le procédé de stratoconception, donc qui était l'un des procédés brevetés et qui fait partie des familles de procédés que je vous ai présentés au début. Où l'idée, c'est d'additionner des couches l'une après l'autre de matière, en partant de matériaux solides. Et l'idée, c'est de travailler avec des strates. Et les strates, que je positionne bien les choses tout de suite, vous travaillez tout le temps avec. J'ai mis les photos des maquettes, je pense que vous en avez fait, vous en faites encore beaucoup dans les années qui viennent. Ça permet de matérialiser n'importe quelle forme. C'est assez simple finalement à réaliser. Je pense qu'avec un cutter, vous en sortez. Faire des strates de dimension dans des tourées, il n'y a pas trop de soucis. Pour faire des maquettes. En architecture, la strate, c'est plutôt vu comme un geste architectural. Ce n'est pas forcément un procédé de fabrication en tant que tel, même pas du tout. C'est plutôt l'idée de diriger l'espace, imaginer l'espace dans une certaine direction par cette strata-là. Que ce soit en l'associant à une peau seconde peau, faire de l'aménagement avec, que ce soit en faisant de la strate dématérialisée, comme on l'a appelé, en dirigeant l'espace par exemple ici de la lumière ou de l'imagerie, peu importe, ou des strates structurelles où l'idée c'est de venir faire différentes strates, par exemple avec les coques à bateau, ça, c'est un bon exemple, où la strate permet de faire la structure mais qui va recevoir ensuite une seconde peau et qui va compléter et finalement matérialiser la géométrie. C'est des modes de représentation, mais qui ne sont pas ce qu'on appelle la stratoconception, qui est donc un procédé de fabrication additive qui se base sur les matériaux en plaques. Et donc c'est sur ce procédé-là que moi je travaille dans le cadre de ma thèse, et dont je vais vous parler plus précisément maintenant. La stratoconception, l'idée c'est donc de partir d'un fichier numérique, d'une pièce, d'un composant que vous avez dessiné, de venir le trancher numériquement par un logiciel, et ensuite de mettre en panoplie donc les strates qui se résultent de ce tranchage sur des matériaux en plaques. Donc nous, ce qui nous intéressait, c'est les panneaux en bois. Donc on s'éloigne de ce dont parlait Paul tout à l'heure, travailler le matériau bois sans trop le transformer. Là, on parle de matériaux en panneaux donc, qui ont déjà subi une transformation. L'idée, c'est de fraiser donc, ces strates-là dans ces matériaux en panneaux. Et au lieu de faire des strates... Donc juste découper comme vous le faites avec des maquettes. Là, l'idée, c'est vraiment de travailler toute la géométrie pour la recomposer parfaitement. Donc d'avoir un usinage qui se fait sur un usinage tridimensionnel qui représente toute la strate. Le grand intérêt de la stratoconception, c'est qu'on n'utilise pas de la robotique complexe. On n'utilise pas du 5 axes ou plus. On n'utilise que des machines à commande numérique 3 axes, c'est-à-dire qu'on a juste un déplacement sur X, Y et venir en Z pour faire couche après couche l'usinage. Mais du coup, les moyens sont relativement simples et aujourd'hui se font le quotidien des entreprises de la construction en bois. Si vous voyez dans n'importe quelle entreprise de charpente ou d'autres, ils ont tous des machines à commande numérique 3 axes, ils utilisent tous le panneau en bois. Donc finalement, c'est quelque chose d'assez applicable tout de suite au niveau industriel. Ce qui était l'un des fondements de la création de ce procédé-là, qui était breveté du coup par le CIRTES à Saint-Denis-des-Vosges et par le professeur Claude Barlier donc au début des années 90. Une fois qu'on a usiné nos strates là, l'idée c'est de venir les recomposer physiquement, donc en les assemblant strate par strate pour recomposer la pièce finale. Comme vous voyez sur le schéma, on peut donc travailler la géométrie extérieure de la pièce, mais aussi la géométrie intérieure. Et c'est là qu'il y a un vrai intérêt peut-être en architecture, en tout cas nous ce qui nous intéresse vraiment, c'est que oui on peut faire des géométries complexes, on peut se demander pourquoi aussi, mais là ce qui est intéressant c'est qu'on peut avoir une pièce finale où on intègre directement tout ce qu'on veut dedans. Pour parler des limites un peu de ce procédé, les limites et les potentiels de ce procédé-là, on parle d'usinage seulement 3 axes. Si je vous parle de 3 axes, c'est que finalement,
il y a des zones qui peuvent être inaccessibles, théoriquement, ce qui était l'une des limites de la fabrication soustractive. Donc soit on a des outils qui ne permettent pas d'aller dans certaines zones parce qu'ils sont trop gros, soit, bah, comme vous voyez tout à votre gauche, il y a un volume inaccessible parce que physiquement, on ne peut pas passer à travers la matière pour pouvoir usiner un creux, par exemple, à un certain endroit. L'intérêt de la stratoconception, c'est de gérer justement ces tranchages en passant, par exemple, des plans de tranchage des endroits particuliers. Par exemple, ici sur cette figure, on peut très bien imaginer qu'on tranche en plein milieu du creux pour pouvoir accéder par au-dessus et par en-dessous. Je vous explique après pourquoi par en-dessous à la pièce. Et justement, se retrouver avec aucune zone inaccessible sur une pièce et finalement pouvoir tout usiner strate par strate. L'idée du procédé, c'est donc pas forcément. Donc je vous ai dit qu'on venait usiner seulement en trois axes par-dessus, mais on essaie un effet de retournement de la plaque, c'est-à-dire que par retournement de la plaque, on peut usiner le dessus et le dessous d'une strate. Ça permet de faire du coup des géométries, comme on peut le voir tout à droite, tout à votre gauche, pardon, en dépouille et contre-dépouille, sans avoir d'usinage 5 axes qui devraient tourner autour de la pièce pour pouvoir passer par en dessous. On peut trancher selon plusieurs directions. Ça, c'est l'intérêt du procédé. Vu qu'il se passe sur des matériaux en plaque, on a moins de problématiques comme avec le dépôt de fil, ou si vous voulez déposer dans certaines directions compliquées, la tenue mécanique n'est pas forcément la même, etc. Ici, ce n'est pas la même, mais les problématiques ne sont pas tout à fait les mêmes. Et en tout cas, ça nous permet d'avoir d'autres options, et ce qui nous permet d'avoir une certaine accessibilité à n'importe quelle pièce. Et il y a aussi l'idée de pouvoir décomposer, pas seulement faire un tranchage unique, comme dans la plupart des procédés de fabrication additive, mais d'aller beaucoup plus loin que ça, en décomposant par plusieurs niveaux de stratification les pièces, notamment par des compositions. On imagine bien que l'arc qui est fait tout à gauche ici, si on le met en panoplie sur un panneau en bois, vous aurez énormément de perte matière, puisque c'est un arc. Tout ce qui se passe au milieu de l'arc, c'est de la perte matière que vous allez avoir sèchement. En fait. Donc l'idée, c'est de venir, on stratifie ici par exemple sur la hauteur de l'arc, et ensuite on va leur décomposer petit à petit en plein de petits éléments qui pourront vraiment s'imbriquer les uns dans les autres au niveau de la mise en panoplie sur une plaque, et du coup essayer de minimiser au maximum les pertes matières qu'on peut avoir, qui est un des vrais enjeux aussi de ma thèse par rapport à ça. Les opportunités pour vous et pour nous, c'est donc construire n'importe quoi comme forme, en paroi extérieure comme intérieure. Là, vous avez un exemple de petite double courbure qu'on a fait à gauche pour expérimenter, même à droite. Hein. On voit qu'on peut faire des choses très complexes, des doubles courbures, avec des moyens relativement simples. Et c'est là qui est vraiment l'intérêt de ce procédé-là. C'est qu'on se base seulement sur l'usinage 3 axes, qui se fait vraiment très simplement, des panneaux en bois qui sont très disponibles, et on n'a pas besoin de mettre de la grosse robotique derrière, d'imaginer des solutions assez compliquées pour représenter ces formes-là. Et il y a l'intérêt du coup de pouvoir travailler l'intérieur de la pièce, et c'est là qu'il y a un intérêt aussi pour nous dans le niveau de la thèse, et de l'application du procédé plus généralement à l'architecture, c'est qu'on peut imaginer des pièces entièrement fonctionnelles, directes, sans imaginer d'autres systèmes qui viennent s'accrocher aux composants que vous avez imaginés. Là, il y a un petit exemple de baignoire qui a été faite par le CIRTES il y a quelques années, enfin de maquette en tout cas, il y a quelques années. On voit bien qu'en travaillant strate par strate, on peut imaginer et vider la pièce et intégrer des fonctionnalités. Là, par exemple, c'était une baignoire balnéo. On a un peu besoin en ce moment avec la chaleur qu'il fait, peut-être. Et l'idée, c'est d'intégrer directement toutes les entrées de buse, etc., dans la matière et dans la pièce qu'on a réalisée directement. L'idée, ce n'était pas de venir la retravailler par la suite en imaginant des pièces qui venaient se raccrocher, etc., à droite à gauche. Là, le fait de travailler en strate, ça permet justement d'évider la matière et de réaliser n'importe quelle forme intérieure, et donc d'imaginer pas mal de fonctionnalités. On a travaillé aussi sur cet aspect-là, je le présenterai plus en détail après, sur un nœud de résine qu'on avait imaginé en début d'année, là, où on intégrait directement les luminaires à l'intérieur du nœud, et du coup, ça permettait d'avoir en une seule pièce, plusieurs fonctionnalités, et donc répondre à pas mal de choses. Là, c'est des exemples un peu simples. Imaginez ça à l'échelle d'une paroi, une paroi complexe, comme celle de la coque que vous avez ici à votre gauche. Droite, pardon. Imaginez tout ce qu'on peut mettre dans une paroi. On peut traiter la paroi extérieure, donc étanchéité, durabilité, etc., toutes ces notions-là. On peut traiter la paroi intérieure, intégrer directement votre agencement au sein de cette paroi-là, et intégrer tout ce qui se passe entre les deux, intégrer de la thermique, intégrer des fonctionnalités, intégrer donc tous les différents réseaux qu'on peut avoir en construction, luminaire, fluide, etc. Imaginer des capteurs, etc. Et tout ça intégré au sein d'une paroi, et du coup avoir un très haut niveau de préfabrication et une vraie plus-value sur les pièces de ce point de vue-là. Il y a aussi l'aspect de
traiter les strates l'une après l'autre et donc imaginer différents matériaux strate par strate. Là, il y a un petit exemple d'escalier qui avait été fait donc par le CIRTES à un moment donné, où il y avait des petits capteurs justement au niveau de chaque marche qui permettaient d'allumer au passage des personnes l'escalier sur les strates ou qui étaient faites en plexi qui pouvaient justement transmettre la lumière. Donc on peut traiter pas mal de choses, on peut imaginer pas mal de choses avec tout ça. Et moi je vais vous présenter un petit exemple de ce qu'on a fait avec Paul en début d'année, qui était donc ce nœud de résie qu'on a essayé de traiter par stratoconception. On s'est dit, il y a plusieurs éléments qu'on peut faire par stratoconception, évidemment. Il y a, comme je l'ai présenté avant, faire de l'architecture, la micro-architecture complète, travailler sur des coques, ce genre de choses. Mais aussi, on peut imaginer travailler sur des petits composants, peut-être plus techniques, et y aller assez loin là-dessus. Donc là, l'idée, c'était de... On était parti d'un projet d'étudiant, dont je vous parlerai un petit peu après, où l'idée, c'était de travailler justement la stratoconception sans limite formelle, avoir une idéation complètement farfelue en presque, entre guillemets, et voir comment on pouvait la fabriquer, nous, avec ce procédé-là. Et on a décidé de s'intéresser particulièrement aux nœuds qui fondaient la résie, donc qui n'avaient pas été dessinés par les étudiants, la résie qui avait été un petit peu dessinée, mais pas tant que ça, et voir tout ce qu'est-ce qu'on pouvait en tirer, comment on pouvait l'interpréter par ce procédé-là. Et donc, dans un premier temps, on était parti, donc, on a travaillé sur Grasshopper. Les étudiants nous avaient dit, on veut faire un... Notre résie, elle doit avoir une surface qui ressemble à un paraboloïde hyperbolique, un pH. Et dans un premier temps, on était parti un peu sur l'idée de... L'idée, c'était de partir un peu sur de la sur l'optimisation de forme et de dire, on a un nœud. L'idée, c'était d'avoir le moins de déplacement possible, le moins de contraintes possible dans la résie et du coup, de trouver une forme qui s'adaptait le mieux possible à ça. Du coup, on a utilisé Grasshopper. On avait du coup une géométrie de pH dont on donnait des contraintes, des bornes, pour se dire au maximum on veut qu'elle soit comme ça physiquement. Et entre ces bornes-là, on faisait varier les paramètres pour justement faire bouger la morphologie. On avait également plusieurs points d'appui, donc les petits points, les petites croix en vert qu'on voit se balader. Il y avait 4 points d'appui à la base, 4 ou 3. On faisait varier un petit peu aussi, en faisant bouger leur position pour voir quelle position permettait d'avoir finalement le moins de contraintes sur la résie et du coup avoir moins de contraintes qui se transmet à nos nœuds. Donc voilà, petit à petit, on voit qu'en utilisant des algorithmes génétiques, donc là l'idée c'est de travailler avec donc Caramba, je ne sais pas si Klaas vous en a déjà parlé, peut-être que oui, sûrement, ou il le fera je pense. et de travailler avec Caramba justement pour avoir cet aspect analyse structurelle qui permettait justement de faire varier nos paramètres après pour trouver le moins de déplacement possible, le moins de contraintes dans notre problème. Et on voit qu'avec l'algorithme génétique, donc là on a utilisé le Galapagos pour ce problématique-là, et on voit que petit à petit, par notion de génétique, donc trouver des solutions intéressantes, piocher dans ces solutions intéressantes pour petit à petit aller vers une solution optimale, entre guillemets, on se rapproche d'une solution intéressante pour nous. Ce qui est intéressant de ce point de vue-là, c'est que là on a déjà la collaboration archi-ingé parce que les deux notions sont directement liées. Et ce qui est intéressant aussi avec la génétique, c'est que ce n'est pas forcément ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est que ce n'est pas la solution vraie, la solution unique qui va vous guider dans toute votre vie. C'est que ça vous permet d'avoir une bonne approche de comment réagit votre modèle, quelles sont les solutions qui peuvent être intéressantes, mais c'est à vous aussi de choisir après. Vous voyez la génétique, on voit qu'il y a plusieurs solutions qui sont mises en bas. Piochez là-dedans pour trouver une solution qui vous convient et qui vous intéresse. Ce n'est pas forcément la vérité absolue, mais ça doit être un vrai outil d'aide à la conception pour vous. Donc voilà, vous voyez qu'en pas trop le temps, je crois qu'en 10 minutes, on avait une solution, donc c'est assez intéressant. Donc voilà un peu l'idée de l'optimisation de la géométrie de la résie. On travaille avec Rhinoceros, Caramba et Galapagos au sein de Grasshopper. Et ensuite, une fois qu'on avait trouvé donc, une géométrie qui nous intéressait, l'idée c'était de travailler sur des nœuds donc, particuliers, donc qui rejoignaient nos différentes branches de la résie, qui étaient toutes des branches par barre droite. Et là où un très intéressant numérique, c'est que si vous regardez la géométrie de la résie, vous vous rendez compte que chaque nœud va être différent parce que l'angle des barres à chaque nœud est différent. Ce qui fait que sur un modèle comme celui-là, vous pouvez très bien avoir 50, 80 nœuds qui vont être tous différents les uns des autres. Et si vous devriez le faire de façon artisanale, ça demanderait quand même beaucoup de travail, un prix qui serait certainement en adéquation avec ce travail-là. Et là, le numérique intéressant, c'est que faire finalement varier des paramètres, que ce soit au niveau de la conception par les outils ou de la fabrication, on peut faire n'importe quoi,
dans une certaine façon de sérialisation entre guillemets, mais de sérialisation où tous les éléments sont différents. Donc des personnalisations de masse entre guillemets. Donc là, il est vraiment intéressant le numérique dans cette approche-là. Pour parler un peu plus du nœud qu'on a imaginé, donc on avait un nœud qui était fait en deux éléments, donc qui venait se recroqueviller sur les barres qu'on avait, qui était assemblé par un boulon, avec une lumière qui se trouvait en dessous un luminaire qui se trouvait en dessous du nœud, et avec justement un câble qui passait à l'intérieur du nœud et qui se raccrochait aux barres. C'est pour ça qu'on a fait des petites coupes sur les barres pour pouvoir passer justement les réseaux directement dedans. Donc il y a cette idée d'avoir une fonctionnalité en plus dans le nœud qui n'est pas que structurelle, il y a aussi un intérêt architectural. Et l'intérêt de la stratoconception qui est de traiter l'intérieur des pièces, c'était aussi ici d'optimiser la matière. Donc là, on l'a fait de façon un peu naïve, entre guillemets, par manque de temps. Mais des travaux vont suivre où l'idée sera d'optimiser la matière pour mettre le moins de matière possible à l'intérieur du nœud, pour qu'il y ait seulement la matière nécessaire pour la tenue structurelle, mais enlever toute la matière qui n'est pas nécessaire pour alléger au maximum le composant. Ce n'est pas intéressant d'avoir un composant qui est complètement plein, qui pèserait lourd et qui, du coup, engendrerait des répercussions sur le comportement structural au final. Donc là, on a fait de façon un peu naïve, on enlevant de la matière petit à petit. Et voilà un peu pour l'idée. Et une fois qu'on a créé ce modèle-là, l'idée, c'était de venir le trancher donc, pour traiter ça par stratoconception. Parce que là, comme on voit bien, on a des canaux internes à l'intérieur même de la matière, ce qui fait que par des procédés de fabrication plus traditionnels, ça aurait été très compliqué, voire parfois impossible de réaliser la pièce. Et donc là, le processus de stratoconception, donc l'idée, c'est de faire passer des plans de tranchage, donc vous voyez ici, et de venir trancher donc numériquement la pièce, petit à petit. Là, c'est un exemple sur une des deux parties. Et une fois qu'on a ces tranches-là, on va pouvoir aller justement préparer la fabrication en ayant des solutions d'assemblage, de faire passer, donc, enfin, générer les parcours d'outils, etc., et la mise en panoplie par la suite. C'est un peu le procédé sur la vidéo. Et qu'est-ce que je veux dire ? Si ça veut bien venir. Oui, donc là on avait donc l'étape de tranchage. Et après l'idée c'est donc venir définir les parcours d'outils qu'on va avoir. Donc il y a cette notion de venir faire usiner petit à petit donc les strates qu'on va avoir. Et donc, plus il y a une relation entre la précision qu'on va avoir directement à l'usinage pour avoir une pièce presque finie finalement en sortie d'usinage, y avoir peut-être un peu moins de précision, y avoir une finition plus importante à la fin. Donc, il y avait une relation de ce point de vue-là à bien prendre en compte. Et donc, après, génération des parcours d'outils et mise en panoplie par la suite. Donc, voilà. Donc, voilà en gros pour le déroulement du processus comme il est actuellement, qui est juste un procédé de fabrication. Donc après, on tombe sur le code machine, qui seront des lignes de code qui vont être lues par une machine, qu'on retrouve ici, en usinage, donc, avec ces magnifiques prises de vue qui ont été faites par Paul dans son stage. Et donc voilà l'idée, c'est de venir usiner seulement avec du 3 axes, donc nos plaques de matière, donc ça c'est cet effet avec l'architecture de Nancy avec la petite machine qu'on a, où finalement c'est que des coordonnées x, y, z qui dirigent la fraise qu'on a pour venir usiner la matière. Donc voilà, strate par strate, petit à petit, on va venir usiner ces strates-là, qui vont être ensuite assemblées physiquement. Donc là, c'était manuellement, donc sur un petit objet, ça se fait relativement bien. Manuellement, donc là, on a procédé par collage, du coup, pour l'assemblage, mais c'est aussi l'intérêt de la thèse, voir comment on peut assembler ce genre de strates. Là, sur une petite pièce comme ça, le collage est intéressant. Sur des pièces de plus grande dimension, comme la coque, va se poser la question de l'assemblage, et du coup il y a peut-être une réinterprétation des assemblages qu'on a en construction bois, qu'on connaît, peut-être des assemblages plus particuliers, comme on a pu un peu l'entrapercevoir Paul, avec la présentation de Paul, qu'on peut réimaginer, et du coup amener un peu plus loin le procédé. Et donc voilà pour le montage du nœud, qui est relativement simple finalement à mettre en œuvre, comme on l'avait imaginé. Avec la lumière en dessous qui était intégrée. Donc voilà pour avoir un aperçu global du procédé de fabrication comme il est. Et donc pour revenir un peu sur la globalité de ce qu'on a fait, donc il y avait une phase de conception architecturale. On était parti plutôt de l'idée de dire on n'a pas d'a priori formel dans la forme de base.
on crée une forme, peu importe quelle qu'elle soit, avec les étudiants, et après on va l'interpréter, comment est-ce qu'on peut la créer, la fabriquer par cette autoconception. Et donc ça, c'est une première approche qu'on avait eue dans le cadre de la thèse. Mais l'idée pour nous maintenant, c'est d'aller plus loin que ça. Je vous parlais au début, on parlait de collaboration, d'intégration, des contraintes, dès le début de la conception pour vous, en associant architecte, ingénieur, constructeur. L'idée de la thèse, c'est d'intégrer toutes les contraintes et tous les potentiels de la stratégie de conception dès le début de la conception. C'est-à-dire que par des moteurs d'évaluation, par des algorithmes génétiques, etc., ce genre de choses, on peut, dès la phase esquisse, vous donner des indications si c'est faisable, si c'est pas faisable, quel potentiel on peut avoir, quelles sont les limites, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle la conception pour la fabrication additive, pour la fabrication additive ou pour la fabrication en général. C'est bien intégrer dès le début toutes les contraintes et les potentiels des moyens de fabrication, de l'ingénierie qu'il y a derrière. Et c'est là qui est intéressant, ce qui est intéressant avec le numérique, ce qui fait aujourd'hui l'intérêt de ces collaborations qu'on a, ce qui fait aussi que mon travail d'ingénieur, c'est de faire la passerelle entre l'architecture et la construction, trouver être le médiateur des solutions qu'on peut avoir, et d'intégrer toutes les notions, toutes les données dont vous avez besoin en conception, vous les donner, avec soit des méthodes, soit des outils d'aide à la conception, qui s'adaptent, dans le cas présent, à ce procédé-là. Et donc, pour revenir un peu aux travaux de ma thèse, donc l'idée pour nous, c'est... Donc la stratoconception, c'est un procédé qui est plutôt utilisé aujourd'hui à l'échelle de l'ordre du mètre, on va dire, principalement. Il y a des exemples qui ont été faits avec d'autres ordres de grandeur, mais principalement de l'ordre de là, et qui ne répondent pas forcément à des contraintes architecturales, que ce soit de la structure, de la thermique, l'association de plein de fonctionnalités qu'on a et qui sont la particularité de l'architecture et de la construction. Il y a une notion de dimension également qui est très importante. Et pour nous, c'est important de construire une connaissance de tout ça. Et donc l'idée, c'est d'expérimenter autant qu'on peut. Et expérimenter par l'enseignement, parce que c'est quand même plus sympa de travailler avec vous. Et donc il y a plusieurs ateliers de projets qui ont été menés, donc déjà cette année, et puis il y en aura encore d'autres les années qui suivent. L'idée, c'est de partir de l'idéation jusqu'à la fabrication de maquettes, voire plus pour certaines, partant sans a priori formel, en se disant, on peut tout construire. Imaginez avec tous les potentiels de la stratoconception ce qu'on peut faire, avec les contraintes, on les intègre un petit peu après dans le processus. Mais imaginez tout ce qu'on peut faire avec ce procédé-là, et du coup, essayer d'aller un peu plus loin en termes d'architecture. Et là, on voit par exemple que Paul parlait d'arbres utilisés directement tout à l'heure. Là, on a des arbres qui sont faits par stratoconception, qui donnent une autre image, mais qui permettent d'imaginer beaucoup de choses aussi. Ces arbres-là, ils sont esthétiquement intéressants, peut-être, peut-être pas. Ça, c'est à vous de me dire. Mais on peut aussi intégrer, faire des arbres du coup, qui sont creux, dans lesquels on peut passer des réseaux qui vont venir directement à la résie. Il y en avait cette notion de luminaire tout à l'heure, dont je parlais avec les nœuds. Ben, finalement, on peut avoir le câble électrique qui part du sol, qui passe par les arbres, qui va dans les résies, qui vient jusqu'au nœud, en intégrant tout ça directement, sans avoir de retouches à faire par la suite. L'intérêt du coup de ma thèse, c'est par ces expérimentations-là, donc on travaille avec la conception avec les étudiants, faire de la prototypage à l'échelle de la maquette pour voir comment réagissent ces conceptions à la fabrication. Et il y a cette notion aussi de changement d'échelle, donc je vais parler un petit peu après. L'idée, c'est de passer, bon, la maquette c'est intéressant, mais on ne voit pas tout ce qui se passe non plus, on ne recense pas tout ce qui se passe avec la fabrication à l'échelle réelle, l'échelle 1. Donc on va voir toutes ces étapes-là en expérimentation. Et donc moi, mon objectif, c'est de recenser toutes les dépendances qu'il y a entre, enfin tous les liens qu'il y a entre la conception, les choix de conception que vous faites et les répercussions que ça a sur la pièce finale. Et donc on voit bien qu'il y a pas mal de liens qui se font. Là, c'est un tout petit aperçu, mais il y a plein d'autres choses qui interviennent. Et on voit bien que du coup, le processus n'est pas forcément si simple que ça. Finalement, un choix de tranchage, ce n'est pas une seule solution. Ça va avoir des répercussions sur plein de petits aspects qui ne sont pas forcément intuitivement faciles à prendre en compte, qui sont peut-être des fois d'ailleurs pas intuitifs d'ailleurs. Et c'est là que l'intérêt d'avoir des méthodes, des outils d'aide à la conception sont intéressantes pour vous guider là-dedans et trouver des choix qui répondent vraiment à ceux dont vous avez besoin et la façon dont vous interprétez le projet dans votre conception. Par exemple, juste pour exemple, l'impact visuel des directions de tranchage, on peut se dire on tranche différemment la pièce. Si on n'a pas l'idée de ce que représente finalement ce tranchage, on se rend compte qu'une même pièce, là, on a trois fois la même pièce, trois fois la même géométrie. Si on la tranche différemment, on retombe sur des notions de décomposition de l'espace, de passer à travers une géométrie physiquement, qui ne sont pas du tout les mêmes. Avec un tranchage vertical, transversal dans le tunnel, on se rend compte que la pièce, finalement, visuellement, et dans l'approche qu'on aura peut-être, la façon de la vivre aussi, ne sera pas la même. Pour un exemple. Et du coup, aujourd'hui, l'idée, c'est de passer à du coup, la
de l'échelle 1. Donc on est en train de travailler sur du prototypage de plus grande échelle pour voir justement toutes les contraintes de ce procédé-là, que ce soit au niveau justification structurelle déjà. Il y a l'optimisation de la matière qui est un point très important de la thèse, parce que même si c'est un procédé d'addition de couches, finalement on part quand même de panneaux dans lesquels on va enlever de la matière finalement. Donc il y a un aspect très important de ce point de vue-là à valider et en tout cas à caractériser pour savoir sur quoi on se base et intégrer du coup toutes les contraintes architecturales. Donc là on va travailler sur la coque que vous avez un peu esquissée tout à l'heure, où l'idée c'est d'avoir une coque où on répond à toutes les contraintes de l'architecture au sein d'un seul même élément au final. Donc c'est là qu'il y a avoir un très haut de préfabrication là-dedans. Donc voilà pour ma présentation, je ne sais pas si j'étais long ou pas. Du coup, petit remerciement quand même à les équipes pédagogiques, aux partenaires avec lesquels on travaille. Donc on a la chance, je parlais tout à l'heure de la Cherbois, d'avoir des partenaires industriels qui nous suivent. Donc le CIRTES qui a profité et qui développe le procédé, donc qui sont forcément partenaires de la thèse. Mais donc on a des entreprises de construction bois qui nous permettent d'avoir une vision directe de l'intégration de ce procédé-là au niveau industriel, au niveau des entreprises de construction, qui est aussi très important pour nous, et qui sont un vrai soutien dans ce qu'on va faire en tout cas par la suite. Et puis petit remerciement aux étudiants qui ont travaillé cette année sur le projet, et puis par avance aux prochains qui le font. Et si vous voulez suivre l'avancement par la suite de tout ça, n'hésitez pas à voir ce qui se passe. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop long, à peu près con. J'essaie de penser. Et si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, allez-y. Ou pas. Ouais. À la fin, vous avez un problème de l'optimisation des paramètres. Ouais, des paramètres. Qu'est-ce qu'on peut faire justement des chutes variables sans jouer dans le monde de chute si on activité des chutes. Et qu'est-ce qu'on peut faire justement de ces chutes? Est-ce que ça peut servir l'objectif toujours c'est d'avoir le moins de chutes possible, parce que fatalement on paye du matériau et puis on le consomme, donc autant ne pas l'utiliser de trop. À mon sens, il y a toujours la possibilité du coup de faire des chutes, de décomposer les chutes en transformant le matériau et de refaire du panneau par la suite d'autres choses. On peut aussi imaginer travailler la chute dès la conception aussi, dire que peut-être que nos chutes, ça va être des assemblages qu'on va directement usiner dedans, ou des petits éléments plus petits qu'on peut venir imbriquer dans les chutes qu'on a, etc. Ça peut être une approche aussi. Ça peut être aussi une approche de dire, dans notre conception, on se débrouille pour avoir une architecture, une morphologie qui fait qu'on n'aura pas beaucoup de chutes à un endroit. Il y a des approches qui ont été comme ça, j'ai plus la référence en tête, mais une école d'architecture qui avait travaillé justement sur cette idée-là, d'avoir des architectures qui se basaient sur la fabrication soustractive, mais où les éléments découpés s'adaptaient justement aux dimensions des plaques qu'ils avaient pour justement optimiser la matière au maximum et avoir très peu de pertes. Mais sinon, fatalement, ça repart en panneau ou en bois pour chauffage ou autre. Donc, Typiquement, juste parce que les gens de bois, ils utilisent CADWORK par exemple pour faire la découpe. Donc c'est un logiciel aussi en 3D qui est un peu de BIM en fait, qui optimise normalement aussi la découpe dans les plaques, donc pour la matière. Et donc effectivement, avec Grasshopper, tu peux le faire aussi pour que tu puisses bien sûr éviter que tu aies trop de chutes. Donc, c'est une question intéressante parce que vous travaillez déjà avec du lamellé collé avec du multiplex à la base. Ouais. En plus, vous allez recoller un multiplex, donc ça fait un multiplex dans un multiplex en fait, ce qui est on se pose un peu la question, mais c'est une sorte de lamellé collé de multiplex. On peut imaginer comme ça. Après, les strates ne sont pas forcément... actuellement, c'est beaucoup collé, mais en tout cas, moi, mes valeurs personnelles font que j'aimerais bien que ce soit autre chose. On parle d'assemblage bois-bois, par exemple. On peut imaginer beaucoup de choses de ce point de vue-là. Et pour rebondir un peu là-dessus, l'idée, c'est de, comme je vous montrais tout à l'heure avec l'arc qu'on avait, quand on a des géométriques comme ça, qui prennent beaucoup de place avec beaucoup de vide à l'intérieur, entre guillemets, l'idée, c'est de venir la décomposer en plein de petits morceaux pour justement optimiser leur découpe au maximum. On aura des réassemblages après dans une même strate à refaire, mais ça permet, en tout cas, l'optimisation de la matière sur la plaque quand on l'usine, ça permet de se rapprocher d'un optimum, entre guillemets. Je pense que ce que vous avez montré maintenant, ça pose vraiment beaucoup de questions que vous touchez là dans ce workshop aussi déjà, en fait. C'est de la géométrie, comment on va mettre quelques barres ensemble, donc le sens du nœud, et déjà imaginer en fait une solution technique pour pouvoir le réintégrer à la conception de l'ouvrage même.
Parce qu'ici, c'est presque une technique de fabrication qui va aider à ce qu'on puisse faire, oui ou non, une certaine conception. Donc les deux sont intrinsèquement liés. Et je pense que c'est là où c'est très intéressant aussi. Et les outils digitaux qui peuvent nous permettre de pouvoir le pré-imaginer, de tester différents setups. Et je pense que typiquement, surtout dans le bois, on a cette capacité de pouvoir pré-imaginer. Pour avoir travaillé avec pas mal d'industriels dans le bois, genre Holzbau Ammann aussi, qui ont fait la toiture de Centre Pompidou à Metz. Le compagnon qui travaille sur la toiture, c'est des gens qui sont extrêmement bien aussi dans tout ce qui est la 3D, dans tout ce qui est l'utilisation des choses numériques. Et je pensais là du détail, allant du détail à la conception initiale, de la conception initiale au détail. Enfin, les deux chemins se font. Et je pense que c'est là, pour vous, comme une sorte d'input à la conception, c'est une des choses qui est, à mon avis, très intéressante. Parce que souvent, vous ne le faites pas. Vous faites un bâtiment, vous commencez avec des volumes, et après, vous mettez des matériaux. Mais en fait, on pourrait commencer totalement différemment aussi, allant du détail au projet, en quelque sorte. Et je pense qu'il y a plein de... Et après, dans les étapes que vous avez décrites, il y a plein de différents éléments qui sont intéressants pour vous aussi. Mais je rebondis sur ce que tu dis, c'est sûr que la construction bois s'y prête vraiment très bien. Ce que je disais tout à l'heure, quand je parlais montrer l'extrusion du béton par exemple, on voit qu'il se pose des problématiques que la construction bois a eu il y a peut-être 20 ans, 30 ans. Et du coup, l'aspect numérique a été intégré depuis un moment maintenant, et on sait travailler avec du 3D, on sait travailler avec tout ça. Même intuitivement, les notions d'assemblage, comme parlait Paul, on travaille directement avec du 3D depuis toujours au final. Parce que du coup, d'ailleurs, ici, quand vous avez vu l'exemple, donc ils ont fait la sphère, donc c'est la solution classique pour faire des géométries complexes et diverses, non ? C'est quand vous regardez les nœuds de Méro, pour mettre 4 ou 5 ou 8 barres ensemble, on fait une sphère, comme ça, on a une découpe assez facile aussi, et on sait gérer différents éléments qui arrivent. Mais avec la technologie, on aurait pu se demander, mais pourquoi pas faire directement les branches et pas faire une sphère, par exemple ? Ce que vous n'avez pas fait, parce que comme l'outil digital permet aussi de faire chaque nœud différent, on aurait pu fraiser à chaque fois le nœud déjà comme une étoile entière, et puis après mettre les barres dessus en fait. Ouais, complètement, ça aurait pu être aussi une approche de se dire que finalement le nœud n'existait pas au final. Oui. C'était finalement des assemblages d'éléments, mais qui ne se faisaient pas forcément au niveau du nœud, qui auraient pu se faire peut-être au niveau du milieu d'une barre par exemple. On aurait pu utiliser plusieurs approches. Ce qui est intéressant aussi avec ces procédés-là, c'est que on peut remettre aussi un peu en question la notion d'assemblage, presque entre guillemets, des fois. On aurait dû laisser Paul aller scanner des forêts entières pour trouver les bons nœuds, quoi. En fait. Exactement. Avec les bonnes géométries. On est un peu déçus, certes, hein, mais bon, hein, c'est la prochaine étape, non ? Oui, on va leur prolonger un peu pour qu'ils... D'autres questions ? Sinon, je vais vous inciter à reprendre le travail. Hein. Ouais. Y a une encore. Vas-y. Oui. Pardon, oui, là j'ai une remarque aussi, mais tu as la même, je pense. Oui. Encore en avant. Ça ? Quand il y a la vidéo d'optimisation. Je sais pas si je peux aller par là. Non, là, c'était pas, ça a duré 5 minutes, là, donc ça allait. Mais c'était pour juste, je suis d'accord avec toi, l'optimum, même intuitivement, si tu sais gérer les pH et tu sais où est-ce qu'il faut mettre les appuis, tu le trouves intuitivement. Là, c'était plus pour montrer un peu l'intérêt qu'on peut avoir avec la génétique, par exemple. Vous avez compris, non, la question. Donc, c'est ici, ouais. Galapagos, et c'est un peu le danger, c'est ce que je disais à Paul. En fait, normalement, nous, on n'utilise pas Galapagos comme pour l'algorithme génétique. C'est un des premiers, il est très bien, il est très facile à utiliser en quelque sorte, mais Goat ou Octopus sont beaucoup mieux. Ouais, en fait, parce que le problème, c'est qu'ils trouvent un optimum local, et du coup, en fait, il y a trop peu de variations dans les propositions qu'il a faites au départ. Et donc, du coup, il trouve un optimum pour lui, mais quand tu as plus de variabilité, tu as plus de méchants, disons, dans ton script, il se peut qu'il va remonter un peu et être moins bon ici, mais il retrouverait, comme il a plus de variabilité,
qui va retrouver un optimum beaucoup mieux plus tard, en fait. Et ça, Goat ou Octopus sont beaucoup mieux aujourd'hui déjà. Là, Octopus aussi intéressant, c'est que là, on optimise par rapport à un seul critère, Octopus donne notre possibilité aussi. Oui, parce qu'effectivement, Goat ou Galapagos n'optimise que pour un seul critère, effectivement. Et l'autre, Octopus, il fait multicritère. Donc, mais c'est intéressant dans la notion de recherche d'optimisation, en fait. Donc, là, j'ai juste mis en introduction un peu à ces notions-là. Mais donc, effectivement, les étudiants, le but, c'est qu'ils calculent tous en caramba leur structure aussi. Ouais. Parfait. Ce qu'ils sont tous en train de faire, d'ailleurs. Pardon. On verra ça après, du coup. C'est du post-scripting, non? C'est... Ok. Juste, donc demain, aujourd'hui, on a une journée, on a encore une conférence à 14h. Donc, c'est un constructeur bois qui est assez intéressant. Je sais que vous avez beaucoup de travail aussi à faire, donc du coup, pas évident. Mais pour ceux qui sont là, je pense que ça peut être intéressant. Et sinon, on va passer par les groupes. Essayez à ce que tous les groupes passent aussi aujourd'hui. Donc, on essaye de suivre un peu quand vous voit tous. Paul et M. Fréchard vont rester aussi. Victor. Donc, ils peuvent vous accompagner aussi. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. C'est demain déjà que vous rendez, demain soir. Et puis, faites attention, vendredi, dans l'après-midi. Et on l'a fait spécifiquement cette année comme ça, parce que normalement, on finit le vendredi la première semaine. On vous donne déjà des retours vendredi à midi pour qu'on puisse imaginer comment on va construire la semaine prochaine, parce qu'il nous reste peu de temps et on veut qu'on maximalise un peu le temps de construction, en fait, échelle 1. Donc vendredi après-midi, ça va être un moment important aussi de pouvoir déjà commencer à imaginer comment on va construire. À la limite, déjà commencer directement, en fait. Vendredi après-midi. Oui. Ok, super. Merci beaucoup encore. Merci à toi pour l'invitation. Je ne sais pas si j'arrête là. C'est quand même le nerf de la guerre aussi. C'est assembler des éléments, donc c'est cool, c'est la beauté du site.
allez voir les gens de l'informatique.